On parle effectivement souvent depuis quelques jours, de la permanence du Trumpisme, de la façon dont Trump a réussi à créer une coalition électorale forte et solide. Pour les démocrates, il y a effectivement là un véritable travail politique à mener. Et je crois que le Trumpisme n'est pas simplement le résultat des évolutions au sein du Parti républicain. Je pense au contraire que le Trumpisme est très largement le résultat des choix faits par les démocrates au cours des années qui précèdent. Et si les démocrates actuellement, si l'administration ne réussit pas à améliorer le sort de cette classe moyenne, pauvre, blanche, si l'administration Biden fait trop attention aux attentes de ces éléments les plus progressistes qui vont mettre en avant un agenda identitaire autour des questions raciales, autour du racisme structurel. Si l'administration Biden fait trop attention à cette frange-là, eh bien, en fait, l'administration Biden risque de se piéger et de recréer les conditions qui ont permis à Trump d'émerger en 2016.